Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un petit tuto de Papycore, s'éclate sur Minecraft, il est 18h18, nous sommes le lundi 25 janvier 2021, nous allons faire un petit tuto sur la houe en pierre. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire la houe en pierre? Déjà, il nous faut un établi, puisque ça ne se fait pas sur nous. Donc, la houe, on va taper houe, on aura toutes les sortes d'houe, voilà. Donc, en bois, on avait déjà fait le tuto, la houe en pierre, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut deux pierres et deux bâtons, tout simplement. Deux pierres, deux bâtons. Donc, deux, voilà, hop. On retourne à l'atelier, et là, on va faire les choses réalisables, et on peut faire une houe en pierre. Voilà, c'est fait. Alors, à quoi sert la houe? Comme on a pu le voir, hein, comme la houe en bois, hein, c'est pareil, ça sert à planter les graines, les légumes, hein, pareil, hein, les carottes, les pommes de terre. Donc j'ai fait une houe en bois également, donc on va voir un petit peu la différence. Et il y a peu, on m'a dit qu'on peut s'en servir aussi pour le feuillage. Donc on va voir ça. J'ai pas pris mes carottes là pour planter. On va prendre les carottes pour planter. Hop là, voilà. Donc on y va. Fermer les portes hein, pour pas qu'il y ait d'ennemis qui rentrent quand même. On va aller derrière. Hop. Bon, on va aller là, hein, c'est pas la peine d'aller derrière. Donc là on peut pas planter. Voilà. Là je tape sur. Je clique droit, j'ai choisi mes carottes, je clique droit sur les carottes. Rien à faire. Là il y a de la terre. Eh ben non, non plus. Pareil. Donc là où on boit, ça va servir à. Hop, travailler la terre comme ça, et là on peut planter. On peut planter les graines, on peut planter les légumes, hein, patates et tout. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc là je vais mettre une carotte. Voilà, ça y est, j'ai planté. Là je peux pas, vous voyez, je clique, je peux pas. Et celle en pierre, donc pareil, hein, c'est le même principe, hein, ça va peut-être plus vite, mais elle va, comment dire, s'user moins, beaucoup moins vite. Donc si vous faites pas mal de culture. Donc un conseil, prenez, puis là ça revient peut-être plus vite aussi la terre. Parce que là, je vais essayer de planter les carottes, je peux plus. Là, oui. Hop, voilà, là je peux. Alors là, je viens de le faire avec la terre, la houe en bois, hein, avec la houe en bois. Et regardez, ça dure moins longtemps là, il faut que je recommence. Voilà, regardez, hop. Voilà, il faut entretenir la terre plus souvent. Regardez là, là je l'ai fait en pierre. Hop, c'est beaucoup plus longtemps à revenir. Hein. Donc je vous conseille de passer à la pierre le plus rapidement possible. Voilà, parce que si vous cultivez pas, la terre elle revient à la normale. Il faudra refaire un petit coup de houe, voyez. Regardez, voilà. Hop là, voyez. Là ça fait deux fois je l'ai fait, là ça fait qu'une fois. Ensuite on m'a dit pour le feuillage. Alors le feuillage, on va voir. Bon, on va le faire ici, j'en ai du feuillage. Voilà. Alors en bois, je ne l'ai pas encore fait. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et avec en pierre. Ouais, ah ouais, ça va beaucoup plus vite. Hein. Ah ouais. Ah ouais, largement. Hein. Voilà. Donc vous pouvez enlever les feuilles. Récupérer. Non, on ne récupère pas les feuilles par contre. Non. Là, il faudra la cisaille. Pour récupérer les feuilles. Donc on les détruit mais on les récupère pas. Hein. Les blocs ils sont perdus, les feuilles sont perdues. Hein. Que ce soit en bois ou en pierre. Hein. C'est perdu. Voilà, donc si vous voulez défricher les feuilles, hein, donc le mieux c'est une houe. Le mieux c'est la cisaille. Après vous avez la houe, mais ça sera mieux que la pioche ou la hache ou... que les autres outils quoi. Voilà, donc c'était le petit tuto de la houe, donc essayez de passer au plus vite à la houe en pierre hein, si vous faites pas mal de culture. Vous voyez là hein, là à côté ça y est c'est recouvert et là ça se recouvre hein. C'est ça que j'ai fait en bois mais c'était en deux fois hein, je l'ai fait. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour ce petit tuto sur la houe en pierre et je vous donne rendez-vous donc un prochain tuto. Ciao, bye bye.